Salut à toutes et à tous, c'est Thiro, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre mode carrière avec New Dayton, la Whirling Management. J'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super bien. Et aujourd'hui, pour cet épisode, comme d'habitude, 3 matchs, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis ce match face à Huddersfield? Alors nous avons commencé par une victoire 3 buts à 1 à l'extérieur face à Wolverhampton, grâce à un doublé de Piazon et un but de Fortune. Après nous avons affronté Hull City à domicile qu'on a remporté 2 à 0 grâce à un but de Fortune et un but contre son camp d'Abel Hernandez. Match nul face à Blackburn. Derby, victoire de Buzyn grâce à Saville et au SADB pour un but de Haller. Et après, on a perdu contre Brighton 2 à 0. Et du coup, aujourd'hui, Leicester, comme prévu. On avait dit, du coup, notre match de FA Cup face à Middlesbrough. Comme on se retrouve. Et pour terminer, on avait dit donc West Brom. Voilà. Donc, pour ce match, il y a eu quelques changements obligatoires, puisque comme vous voyez, la liste des blessés s'est allongée avec la suspension, bien sûr, de Fenton. Alors, du coup, Soler reprend sa place. Et c'est tout. Et Piazon continue de mettre des buts. Il est déjà à 10 buts. Alors, pour montrer, il a largement surpassé... tous ces anciens clubs, et je m'étais trompé, c'était pas coup de 5 buts, c'était pas décisif, que je m'étais trompé de colonne. Il a largement marqué, là, il n'en est plus qu'à un but de ce qu'il avait mis à Vitesse Arnhem aux Pays-Bas. Il n'est plus qu'à un but de ça, et au même nombre de matchs en plus. Allez, on est parti. On est parti pour ce match face à Leicester, très important. Leicester classé 3ème pour le moment, nous on est 7ème du coup, grâce à ça. Enfin, avec tout ce qui s'est passé. Riyad Mahrez en pointe. D'accord. Albright. Albrighton. 30 ans. D'accord. Gray. Drinkwater. 29 ans. Ils ont pas beaucoup changé. Voilà. On va essayer de bien motiver tout le monde. Pour ce match très important, bien évidemment. Voilà. Allez. C'est parti. C'est partout pour ce match de championship très important face au 3ème Leicester. Mahrez qui frappe déjà au-dessus. Et en plus, il pleut à verse. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire sur ce match face à une équipe qui a une équipe, on peut le dire, Premier League. Très calme pour l'instant ce match. Ah, semble blessé. Bon, il a rien. Douleur dorsale. Tilala. Quelle première mi-temps. Ah, attention, Rousseau sur ce corner. Fortune, non, c'est pas terminé. Allez, Saville. Pourquoi pas avec Rousseau. Ouais, dommage. Attention à la contre-attaque de Gray. Il est très rapide. Pour Villena. Villena de nouveau Gray. Déméré Gray. Et on s'en sort pas du tout. Mahrez. Riyad Mahrez. 6ème but. Pour l'Algérien qui nous met mal juste avant la mi-temps. C'est pas une bonne nouvelle ça. C'est vraiment pas bon. C'est dommage. On faisait une première mi-temps plutôt calme, plutôt sereine. Et là on n'est plus très serein. Reed ! Ouh ! Dommage ! Oh c'est con. Ah c'est vraiment con là. C'est pas terminé. Ouais si c'est terminé. Bon, mi-temps 1-0 pour Leicester. Va falloir se bouger le cul, voilà, j'en attends plus. Et on va motiver comme ça, voilà, comme ça, ça fera double effet. Double effet pour la motivation. Tout le monde est motivé. Ici. Bon, rien de Mahrez, d'accord. Bon. Allez, deuxième période, c'est parti. Albrighton. Ouais, bien joué avec Drinkwater. Albrighton, ouh, la Noton, oh. Solaire, il est pas allé avec le dos de la cuillère. Attention à ce coup franc, tapé par Albrighton. Bien frappé, bien repoussé, mais ça revient avec Villena. Albrighton, Drinkwater. Ouh, attention, bien dégagé par notre défenseur. Enfin, je crois. Je crois que c'était un défenseur, il me semble. Centre de Gray, ça c'est sûr. Oui. Allez, Rousseau qui fait pas un grand match. Attention. Rousseau, peut-être justement. SADB, qu'est-ce que t'attends? Rousseau, SADB. La frappe! Le coup de fusil d'Emmanuel SADB. Il a sorti le fusil de chasse. Et là,
Ping! Plein mille. En plein dans les mirettes. Un partout. Magnifique égalisation. Avec le style. En plus. C'est bien. Allez, on continue. Attention. Ouais, sur ce corner, non, ça serait un peu con. Espèce d'idiot. Putain, le mec, il égalise et il est peut-être fautif du 2 buts 1. Mahrez? Eh oui. Oh, bah d'accord. Fautif et enfin il marque et fautif. Bravo. Et... Aïe 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 aïe. Enfin bref. Enfin bref. Ils sont pas en forme devant, on va faire entrer Doucara. Allez, il est motivé en plus, il rentre. On va quand même rafraîchir le milieu de terrain. Enfin, dès qu'on pourra, gré, attention. Lina, oh, c'est un peu loin là. Oh là 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 là. Alors, Lee Evans va rentrer et remplacer Rousseau. Ah bah d'accord. J'ai mis trop de temps. Tant pis, c'est pas grave. Fait un très bon match. Non. Non. Non, on a perdu et on a perdu aussi au stade, donc non, on n'a pas fait un bon match, je suis désolé. Non. Hop là. Bon, bah écoutez les amis, on va se retrouver face à Middlesbrough en espérant que bah, on aura un petit peu plus de chance. Bien, on se retrouve pour le deuxième match de cet épisode face à Middlesbrough, le match de coupe, donc comme prévu, George Willis, voilà, ça c'est fait. Bon après. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre deux après ce match face à Leicester qu'on a nous avions perdu? Eh ben on a gagné face à Brighton 2 à 0, on s'est vengé. Guano a marqué contre son camp et Yacine Fortune a marqué pour nous. Après 3-0 face à Rotherham, où Piazon s'est fait plaisir, un doublé et un but pour Yacine Fortune. Donc, en même temps, j'essaie et je suis en train de vendre John Toll. Voilà, j'ai décidé de le vendre. Et en remplacement, normalement il devrait bientôt arriver, je vous le présente, c'est Marcelo Trotta, libre. Voilà, de bien meilleures stats et bien plus fort que l'ami John O'Toole. Et surtout, son dernier club, c'était le Genoa. Et où il a marqué au total donc 10 et 12, 12 buts en 4 saisons. Voilà. C'est un pari. Mais bon, voilà, il faut renforcer l'équipe. John O'Toole n'a absolument pas l'étoffe. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait jouer finalement. Donc voilà. Allez, on est parti face à Middlesbrough, donc pour ce troisième tour de FA Cup. Voilà. Ça va pas être simple. Parce que rappelez-vous, la dernière fois que nous avions affronté Middlesbrough, c'était pas foncièrement bien passé. Donc on va essayer de faire beaucoup mieux. Voilà. Les joueurs sont plutôt bien motivés. Donc c'est parti pour ce match sur notre terrain complètement massacré. Notre pelouse est dans un état pitoyable. Mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec les tout petits moyens de Nuneaton. Bon, c'est pas grave. Allez, concentrons-nous sur le match. Pour l'instant, c'est vachement calme. On va atteindre bientôt la première demi-heure. Alors maintenant, ah, attention, corner. Et... Allez, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Doucara, non. Evans, Fortune, Piazon, Fortune, voilà, Fortune, bien joué Yacine, 14e but de Yacine Fortune, et qui nous permet d'ouvrir le score de bien belle manière sur cette action complètement folle. Le ballon lui revient dans les pieds, il frappe direct sans contrôle du pied droit direct, pardon, oh, les misclics. Allez, attention, faudrait pas déjà s'en prendre un, hein, ça serait con, attention. Pas d'erreur, Rousseau, voilà, Evans, très bien. Fortune. Fortune qui cherche la solution, qui l'a trouvée avec Long. De nouveau ce Fortune. Pour Evans, Piazon, Doucara. Doucara pour Piazon. Piazon, et c'est le but! Lucas Piazon, le 13e but de Lucas, le Brésilien. Bravo, félicitations les gars. Superbe action de jeu. Doucara qui a bien vu dans l'espace. Et Piazon contrôle. Frappe du pied droit et but tranquille. 2-0, c'est bien. On mérite, on domine ce match pour l'instant, c'est très très bien. J'espère qu'on va continuer comme ça jusqu'au bout. Rousseau.
C'est dommage, c'est pour Colombie. Sans Allez, attention. Dukara. Ouh le long. D'accord, on n'a pas compris ce que voulait faire Dukara. C'est complètement loupé. Colombie va pouvoir de nouveau dégager. Et Ward. Ings, attention Ings. Et oui, la passe PES pour Thomas Benes qui marque. Action collective, c'est logique, logique. Bah, de toute façon, on ne pouvait pas faire grand-chose sur cette action. À part mieux défendre, peut-être, mais bon. 2-1, donc la mi-temps. On remotive tout le monde. Voilà. On va quand même... d'accord. Bah, c'est pas grave. Bon. Il voulait pas que j'aille donner des nouvelles consignes. C'est pas grave, je comprends. Le skin, pas de soucis. Bon, c'est pas grave. Allez. Fraser, ouais pas déjà, ça aurait été quand même, ça aurait été quand même un petit peu con quand même. Ward, c'est pas fini. Cousins continue pour Fraser. Ward. Attention, ça joue bien, ça joue très très bien. Benes, Fraser. Ouh, allez, il faut dégager ça, ça pue. Ouais bon, tant mieux. Tant mieux parce que là, ça sentait vraiment pas bon. On va en demander plus attention sur. Heureusement que Ben Gibson était hors jeu. Hein. Ouais, pour le coup, heureusement qu'il l'était. Ouais, parce que franchement, ça aurait été con. Sinon, Slimane va remplacer Fortune, un peu fatigué. Voilà, un peu de fraîcheur. Alors, on continue les changements, on reprend. Lawton, Rousseau. Et... Ah, merde, on peut pas faire l'autre milieu de terrain. Non, mais Engani va remplacer Doukara, qui fait pas non plus un match exceptionnel. Voilà. Allez. On va jusqu'au bout comme ça. Allez, on tient la qualif. Allez, faut pas faire les imbéciles. On peut le faire, on peut se concentrer jusqu'au bout. Allez, on peut y arriver. Allez, le chrono qui tourne. Attention, non. Ouf, hein. Ouf. Un répit de quelques secondes. Ça revient. On s'en sort. Allez, concentrez-vous, bordel. Ça revient. Ça repart. Allez, Forcho qui va chercher ce ballon. Bien joué Fenton. Et là, on n'est pas bien dans cette fin de match. Il faut réagir tout de suite, sinon c'est le naufrage. Attention, et Walter Peters. Fou Willis, quel joli coup là. Allez, attention nouveau corner. Et on subit beaucoup trop. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était un de mes joueurs. Allez, on réagit, allez, on réplique. Ah, dommage, attention au solaire, pas de bêtises, tranquille, voilà Vance. Oh, quel dommage, Fololo, c'est pas possible. Ah, quand même, là, il faut rendre à Colombie. Très belle double parade. Allez, les dernières minutes, là, il faut rester concentré jusqu'au bout, parce que là, on a beaucoup subi, là, tout d'un coup, mais on a essayé de réagir. Ça a pas porté ses fruits. Allez. Et puis que quelques petites, toutes petites minutes. Allez, les dernières secondes du match. Et on est qualifié. Félicitations. Voilà, là on a fait un bon match. On a quand même subi un peu, mais on passe. C'est le plus important. On passe au quatrième tour. Ça va faire du bien. C'est super. Ça, c'est vraiment bien. Ça a fait un peu d'argent. Et puis surtout pour l'objectif qui est cinquième tour. C'est bien. C'est une bonne nouvelle. Ce quatrième tour est placé où? Ah, juste ici, d'accord. On avait dit West Brom. Bah, du coup, West Brom sera remplacé par le quatrième tour de. FA Cup. A tout à l'heure. Bien, on se retrouve pour le tout dernier match de cet épisode face à Colchester en coupe pour le quatrième tour de la FA Cup. Bien les amis, alors il s'est passé tout le mercato et il a été productif. Vous allez voir, on regarde que à droite pour l'instant. On a vendu John Toll 60 000 euros à Killigam et il a été remplacé par Marcelo Trotta, comme je vous l'avais montré, gratuit. Vous voyez sa valeur, hein. Très très bon joueur, bon investissement. Et on a vendu Christopher Missilou à Peterborough pour 200 000 euros. Et on a recruté Vaieba Sakor, le milieu de terrain norvégien. Il vaut 1 million 2. On s'est fait plaisir, là, deux joueurs libres très intéressants. Et justement, sur ce match, ils vont pouvoir être utiles. Donc Jordan Cook remplacé. Sakor va remplacer
Sa ville. Ah oui, alors, sa ville est un peu mécontent, mais ça, il n'y a pas de souci. Bon, c'est des petites histoires. Et ça, on s'en occupera, on le fera jouer un maximum, comme ça, il sera content. Par contre, donc, voilà. Et Jordan, excusez-moi, George Willis, de retour de sa grosse blessure. Il est de retour dans les buts pour le match de coupe, comme d'habitude. Et donc, je regarde un petit peu, voilà. Voilà, c'est ok, c'est bon. Et bon, bah, on est parti. Let's go face à Colchester, League One. Du coup, on va respecter l'adversaire, on va rester concentré parce que ça ne veut absolument rien dire, donc faut faire gaffe. Et en cas de victoire, on passe au cinquième tour, mais aussi donc on remplit un des trois objectifs de la saison. Bon, allez, on y va. Notre pelouse est vraiment dégueulasse. Ça, je sais, mais ça, bah, bah, on peut pas faire grand-chose malheureusement. Allez, sur mon cours, Smith. Smith, bien, attention, attention, Zelov, ou la frappe! Oui, faut se réveiller. Colchester a frappé. Ils ont frappé les premiers. Alors, on va voir l'apport de Sakor et. Bah, j'ai oublié Marcelo Trotta. On le fera rentrer pour la suite. Allez, le gardien d'en face. Allez, allez, faut se mettre dans le match, on n'est pas dedans. Smith, tout seul, jusqu'au bout. Et le but de Smith. Un but logique, parce qu'on n'est absolument pas concentré dans le match. Voilà, on n'est pas dans notre match, on n'est pas là, on est absent. Un but logique, voilà. Va falloir se réveiller. Parce que là, on se fait avoir par une équipe de Ligue 1. Je vous avais dit que ça voulait absolument rien dire. Allez. Eh ben le changement, merde, on n'a absolument pas pris trop tard. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Voilà. Y a pas que moi qui ai fait des conneries. Y a pas que mes joueurs qui font des conneries, moi aussi, j'y suis absolument pas. Allez, un peu de volonté, bordel, on y va. Allez, deuxième période. Il faut se réveiller et passer la seconde vitesse. Parce que là, on est bloqué en première, là. On n'avance pas. Allez. Et on avance toujours pas. Alors enfin peut-être Edwards. Allez, perdez le ballon. Non toujours. Cox. Allez. Ça y est, on va jouer au foot. Allez. Fortune. Piedzone. Il est parti. Eh ben non, on joue toujours pas au foot. Hein, attention. Ah. Ça enchaîne, ça enchaîne. C'est toujours pour eux le ballon. Allez. Bonne récupération. Ça DB, longue. Faut reprendre ce ballon. Allez. Et regardez bien. Et vous. Oh là là. On n'est pas dans notre match. On est absent du match. On est absent du match. On n'a pas la tête à la coupe. Voilà. On joue pas là. On les laisse jouer. On n'y est pas. On n'y est pas. On n'y est pas. C'est normal. C'est normal. But de Sordel. But de Sordel. C'est normal. On n'est pas. On joue pas là. On joue pas. Hein. On n'est pas là. On est absolument absent du match. Et. Ouais. Ouais. Bon, bah adieu la coupe, hein. Bon, non, faut pas espérer, on bougera pas. On bougera pas. 73e, deux buts à rattraper, c'est impossible, c'est fini. On a perdu. On a perdu. On a abandonné la coupe. Allez, peut-être un miracle. Fortune, s'accord. Non. Non, 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 non. On a abandonné la coupe. On ne joue pas. Voilà. On fait exprès de perdre. Non, non, je suis désolé, on fait exprès. Je suis désolé. Normalement, on a largement le niveau de les surclasser, mais non. On se laisse faire. Voilà. On perd des ballons stupides. C'est totalement débile. Voilà. On ne veut pas jouer la coupe. Mes joueurs ne refusent de jouer la coupe. Voilà. On va être éliminé des deux coupes comme des gros débiles. Voilà. Franchement, c'est lamentable. Grosse faute professionnelle. Énorme faute professionnelle de mes joueurs. Et ça, j'aime pas beaucoup. J'aime pas ça.
Même pas ça, ça a le don de m'agacer au plus haut point. Donc vos joueurs font exprès. Ah, je suis désolé, ils font exprès. On a largement le niveau de les surclasser. Mais on se fait surclasser parce qu'on ne joue pas. On les a regardés jouer tout le match. Voilà. On n'a rien branlé. Voilà, allez, un vieux but qui sert à rien. Non, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est le but qui sert à rien. C'est trop tard. Fallait faire ça dès les premières minutes. Pas maintenant. C'est trop tard. Pas la peine. Voilà, c'est fini. Défaite bien fait pour notre gueule. Voilà. On a laissé jouer Colchester. 20 tirs contre 13 d'un club de Ligue 1. LOL. Voilà. On a refusé le match. Et ça, c'est pas normal. J'en ai rien à foutre. Oui. Bah oui. Bon, bah tant pis, plus de coupe. On est quand même sur une mauvaise période de 3 défaites et va falloir vraiment se réveiller. Prochain épisode donc, West Brom du coup, Brentford et Middlesbrough. Voilà. Donc West Brom, Brentford et Middlesbrough, le prochain épisode. Donc bon en espérant que on se rattrape un peu. Il faudrait parce que là on est sur une très très mauvaise série de 3 défaites. Voilà, dont une faute professionnelle. Donc il va falloir se bouger. Bon j'espère que ça vous a quand même plu. Désolé hein, ça n'a pas été non plus très très joyeux, mais bon tant pis. N'hésitez pas à vous abonner, commentaire, pouce bleu, Twitter, Instant Gaming, et puis kingwin.fr, il y a tout ce que vous voulez. À la prochaine les amis.